Bonsoir à vous, élèves et parents. Nous sommes bien heureuses de pouvoir tenir cette édition spéciale de la soirée de reconnaissance de l'école Marie-Clarac. Nous sommes très honorés de vous présenter cet événement qui souligne la réussite et le succès académique des élèves du deuxième cycle. Les élèves qui seront nommés ce soir se sont distingués durant l'année scolaire 2020-2021. Mais sachez que toutes nos élèves méritent d'être reconnues pour les efforts et le travail qu'elles ont déployés tout au long de l'année, et particulièrement durant cette année qui nous a fait vivre bien des imprévus et demander beaucoup d'adaptation. Étant donné notre réalité, nous avons décidé pour une deuxième année consécutive de vous rendre hommage, de leur rendre hommage virtuellement. Sachez que les divers certificats seront remis aux élèves concernés la semaine du 14 juin à l'école. Alors, sans plus tarder, voici notre soirée virtuelle de reconnaissance 2020-2021. Bonne soirée à tous! Des mathématiques, des sciences et de la technologie. Bonjour les filles, on se retrouve pour les nominer pour les mathématiques en troisième secondaire. On va commencer avec le progrès. Donc les nominés, on a Sophia Berliangeri, on a aussi Léonie Desroches et finalement Leila Martelli. Ensuite pour la catégorie d'excellence, on a Joël Baclini, Bianca Katakis et Eva Comito. Puis finalement, pour le travail, les nominés sont Laura Revilla-Mérisalde, Karen Derfoul et Anin Ziati. Finalement, les gagnantes pour chacune des catégories. En progrès, on a Leila Martelli. Félicitations. En excellence, on a Bianca Katakis. Puis, pour le travail, Laura Revilla-Mérisalde. Félicitations à toutes les gagnantes. Bonjour les filles. Donc, pour mathématiques secondaire 4 des CST, les filles qui sont nommées pour le progrès sont Katiana Rocher, Nancy Rodriguez et Isabella Tomasi. Pour excellence, les élèves qui sont nommés sont Junie Exius, Laetitia Mézienne, Ramli Beauboire. Et puis pour le travail, il y a Laurie Duliepre, Jennifer Lamour et puis Audrey-Anne Coulombe. Les personnes, les gagnantes, la gagnante pour progrès est Isabella Tomasi, pour excellence, Laetitia Mézienne, et pour travail, Audrey-Anne Coulombe. Je vous félicite. Bonjour les filles, on se retrouve pour les mathématiques 4e secondaire en séquence SN cette fois-ci. Donc, en progrès, nos nominés sont Sophia Barbeau-Dimeo, on a aussi Batulfnech et Sophia Revilla-Mérisalde. En excellence, on a Nour Descartes, Sophia Revilla-Mérisalde et Léane Robineau. Et finalement, pour le travail, on a Nour Descartes, Giada Palotta et Maïka Saint-Pierre. Donc, les gagnantes pour nos catégories, en progrès, Sophia Barbeau-Dumeo, félicitations, Sophia Revilla-Mérisalde en excellence et pour le travail, Nour Descartes. Donc, félicitations à toutes les gagnantes. Pour sciences et technologies, troisième secondaire dans la catégorie progrès, les nommés sont Sarah Baldazar, Mariam Garib et Idora Adelar Bellamy. Dans la catégorie excellence, Laura Revilla-Mérisalde, Joël Baraclini et Karen Derfoul. Pour le travail maintenant, Bianca Katakis, Kimberly Lubintus et Léa Boulian. Les gagnantes sont, dans progrès, Idora, dans l'excellence, Karen, et dans le travail, Kimberly. Alors, je vous félicite. Bonjour les filles. On va se rencontrer pour la dernière fois en ce qui concerne les méritas. J'espère seulement les méritas. Alors, voici les nominés. En progrès, nous avons Florence de Blois-Saha, Amina Mamery et Yamile Gracia. En excellence, nous avons Ramli Beauvoir, Isabella Tomasi et Stéphania Joseph. Pour le travail, nous avons Maria Valentina Taguet, Jacinthe Pilan et finalement Gaëlle
Baclini. Alors, les gagnantes sont Amina Mamori, Ramli Beauvoir et finalement Maria Valentina Tanguay. Félicitations les filles, vous êtes les meilleures. Rebonjour les filles, on se revoit cette fois-ci pour les méritas de STE. Donc, les nommés sont pour le progrès Sia Gandhi, Roberta Guadagno et Laetitia Miziane. En excellence, nous avons Alexandre Lozon, Giada Palotta, Sofia Rivia Marisalde et pour le travail, Maïka Saint-Pierre, Marilyn Gagné et finalement Zainab Nourdine. Les gagnantes sont Roberta Guadagno, Alexandre Lozon et finalement Marilyn Gagné. Bravo les filles, je suis fière de vous. Hey, qu'est-ce que vous avez fait cette fin de semaine? I did a lot of math homework. Oh, tant bien. Fui à Dell en paseo. That's cool. I want to bicycle ride. J'ai juste fait des devoirs de maths. Voici les nommés dans le domaine des langues. Bonjour mademoiselle. Donc en français 3e secondaire, les nommés sont pour la catégorie progrès Nora Sévère Madani, Alexandra Mondésir et Jennifer Nguyen. Pour la catégorie excellence, les nommés sont Célia Hadid, Lindsay Victor et Karen Derfoul. Pour la catégorie travail, les nommés sont Laura Rivia Merizalde, Boussé Osguzel et Michaela Fidanza. Et les gagnantes sont dans la catégorie progrès Nora Sévère, dans la catégorie excellence Célia Hadid, et dans la catégorie travail, Boussé Osguzel. Bravo, mademoiselle! Et pour le français 4e secondaire, les nommés sont dans la catégorie progrès, Madjani Joseph, Jordan Laborde et Leila Meana. Dans la catégorie excellence, les nommés sont Sofia Rivia Merizalde, Nour Deschard et Tiffania Joseph. Pour la catégorie travail, les nommés sont Jennifer Lamour, Franzia Faustin et Giada Palotta. Nos gagnantes sont dans la catégorie progrès, Jordan Laborne, pour la catégorie excellence, Nour Deschard et pour la catégorie travail, Franzia Faustin. Bravo encore, mesdemoiselles! For Core English in Secondary 3, in progress, we have Katie Coca-Morales, Lea Boulian and Leila Martelli. In excellence, we have Victoria Lourebourg, Marnelle Amboise, and Laura Rivella Marisaldes. In work ethic, we have Josephine Yunkes, Alexia Yanicello, and Idora Abelard Bellamy. Our winner for progress is Katie Coca-Morales. For excellence, we have Marnelle Amboise, and for work ethic, we have Josephine Yunkes. Congratulations! For Core English in Secondary 4, in progress we have Florence de Blois-Saha, Maïka Saint-Pierre, and Yamilie Gracia. For excellence, we have Daphne Carrière, Sarah Belmessabi, and Lia Desiderato. And for work ethic, we have Joëlla Jean-Jacques, Genèse Pierre-Paul, and Zainab Nourdine. Our winner for progress is Florence de Blois-Saha. For excellence, we have Sarah Belmessabi. And for work ethic, we have Genèse Pierre-Paul. Congratulations! For enriched English in secondary 3, the nominees are for progress, Sarah Baldessari, Daphne Simard, and Joël Baclini. For excellence, Lara Mariano, Tamar Navalit Pierre, and Sienna Angelillo. For travail, or work ethic, Karen Derfoul, Alice Loubert-Tessier, and Anna Ziatti. And the winners are, for progress, Joël Baclini, for excellence, Lara Mariano, and for work ethic, Anna Ziatti. Congratulations! Okay, so for Enrich Plus English in Sec 4, in progress, the nominees are Gael Baclini, Sofia Rivia Merizalde, Leanne Robineau, and then in excellence we have Giada Palotta, Alina
Bacareva and Isabella Tomasi. And for work ethic, Megan Franco, Nathania Megiteus, and Raphael D'Ambreville. And the winners are, for progress, we have Gaël Balkany. For excellence, Isabella Tomasi. And for work ethic, Raphael D'Ambreville. Well done, girls! Donc, bonjour les filles. Pour espagnol secondaire 3, les nommés sont pour progrès, Alia Fali, Juliana Cuna Charbonneau, et puis Jennifer Nguyen. Pour excellence, les nommés sont Daphné Simard, Jasmine Manetine Pirota et Sarah Elkatir. Pour le travail, les nommés sont Mariam Mohamed Ali, Micaela Fidanza et puis Yaretzi Maldonado. La gagnante pour progrès, c'est Alia Fali. Pour excellence, c'est Jasmine Manetine Pirota. Et pour le travail, c'est Mariam Mohamed Ali. Félicitations! Super beau. Mais oubliez pas que c'est pas le résultat qui compte, mais les critères. C'est ce que l'enseignant a dit. Voici les nommés dans le domaine des arts. Alors maintenant, pour les arts plastiques de 3e secondaire, dans la catégorie progrès, Ariana Côté, Victoria Bourassa, Héloïse Louis. Dans la catégorie excellence, Sienna Angerillo, Alice Loubert-Tessier, Peggy Gentilus. Catégorie travail, Christy Laurie Clément, Lindsay Victor et Micaela Fidenza. Et les gagnantes, les méritantes, Ariana Côté, Sienna Angerillo et Micaela Fidenza. Bravo les filles! Alors toujours en art plastique, maintenant 4e secondaire pour le progrès. Carla Saint-Victor, Carla, Amélie Bégin et Anaëlle Baril. Pour l'excellence, Nancy Rodriguez, Raphaël D'Ambreville, Rafou et Juni Exius. Pour le travail, Jennifer Lamour, Alina Bacareva et Isabella Tomasi. Et les méritantes, les super méritantes, Anaëlle Baril, Raphaël D'Ambreville et Alina Bacareva. Félicitations les filles, je suis vraiment fière de vous. Bravo. Regarde Franza, c'est facile de zoomer. T'as juste à tourner cette boucle. Cool. Et le zoom est fait. Je peux essayer? Ouais. Merci. De rien. On va faire de super belles photos avec. Et voici les nommés dans le domaine du développement professionnel. Alors maintenant, dans le cours Génération Innovation de 4e secondaire, pour une dernière fois, dans la catégorie Progrès, Joëlla Njak, Amélie Bégin et Alicia Jean-Noël Baril. Catégorie Excellence, Cynthia Lormius, Juni Exius et Netania Medji Teus. Catégorie Travail, Ramli Beauvoir, Samaël Erwid Arné et Maude Bouvier. Nos méritantes, Alicia, Juni et Maude. Je suis vraiment fier de vous. Lâchez pas les filles. Bravo. Voici les nommés du domaine du développement de la personne. Alors, en enseignement religieux, maintenant, 3e secondaire, dans la catégorie progrès, Léa Bouliane, Soukaina Chaloub et Peggy Gentilus. Dans la catégorie excellence, Tamar Navalit-Pierre, Daphné Simard, Alice Loubert-Tessier. Dans la catégorie travail maintenant, Christy Laurie Clément, Maria Mohamed Ali et Lindsay Victor. Nos gagnantes, Léa Bouliane pour progrès, Daphné Simard pour excellence et Maria Mohamed Ali pour la catégorie travail. Félicitations, nos résilientes!
En éthique et culture religieuse, quatrième secondaire, maintenant pour la catégorie progrès. Jenna Moïse, Jennifer Lamour et Kimberly Ann Davidmar. Dans la catégorie excellence, Gaëlle Baclini, Isabella Tomassi et Kathleen Jean. Dans la catégorie travail, Marishka Secours, Maud Bouvier et Mégane Franco. Nos gagnantes. Dans la catégorie progrès, Kimberly Ann Davidmar. Dans la catégorie excellence, Kathleen Jean. Et dans la catégorie travail, Maud Bouvier. Un gros bravo, les filles. Vous avez réussi. On poursuit maintenant en cinquième secondaire. Alors, bonjour, je suis en représentation de M. Joël. Nous allons avec éducation physique en troisième secondaire. Les élèves nommés en progrès sont Alice Lubetessier, Michaela Fidanza, Jennifer Nguyen. La catégorie excellence, Soma Pisey-Son, Anna Ziati, Sarah El-Katir. Et dans la catégorie travail, Eva Comito, Peggy Jansilus et Madora Lazar. Nos méritantes pour progrès, Alice Lubetessier, Anna Ziati et travail Eva Comito. Félicitations à vous toutes les filles. Et maintenant, en éducation physique, mais quatrième secondaire, les élèves en progrès, les nominés sont Maria Valentina Tanguy, Katiana Rocher, Marcia Cassidy Sainte-Rose. En excellence, Alicia Jean-Noël Baril, Giada Palotta, Maude Bouvier. Travail, Florence Desbloisaa, Sofia Revilla Merizalde et Francia Faustin. Nos gagnantes en progrès, la gagnante en progrès, en fait, c'est Katiana Rocher. En excellence, Giada Palotta et travail, Sofia Revilla Merizalde. Félicitations à vous toutes les filles. Bonne continuation. Ben bonjour, monsieur. Ben bonjour, je vous apporte trois belles fourrures. C'est pas parfait, ça. Je les ai pour votre femme, moi, ça va être bien ici pour cuisiner. Ben oui, merci, avec le ravitaillement qui manque dans la colonie, surtout, là, puis l'hiver qui sent bien, qui fait frais que l'hier, ça ben sera oui, pas je trop. Comprends. Ben oui. Voici les nommés dans les domaines de l'univers social. En histoire et éducation à la citoyenneté, les nommés sont, dans la catégorie progrès, Zénab Yassine, Alexandra Archerezi, Alexia Yannicello. Dans la catégorie excellence, Daphné Simard, Marianne Benitez Alvarado, Marnelle Amboise. Dans la catégorie travail, Mariam Mohamed Ali, Jessica Lamour et Laura Revilla Merizalde. Les gagnantes sont, dans la catégorie progrès, Alessandra Archiresi, excellence Daphné Sima, et dans la catégorie travail, Laura Revilla Merizalde. Bravo à toutes! Bon matin, mes petits cœurs en sucre, bonne journée, bonne soirée, je sais pas où on est. Bref, c'est l'heure du gala en histoire. Donc, pour les trois catégories progrès, excellence et travail, les nommées sont les suivantes. Pour le progrès, j'ai choisi Jasmine Garcia, Leila Mehana et Daina Akloc. Dans la catégorie excellence, les nommées sont Laetitia Méziane, Giada Palotta et Isabella Tomassi. Et pour la qualité du travail cette année, j'ai choisi Laetitia Méziane, Junie Exius et Nour Deschard. Alors les gagnantes, même si le choix était difficile à faire, sont les suivantes. Pour le progrès, je remets le méritage à Daina Akloc. Pour l'excellence, le méritage va à Giada Palotta. Et pour la qualité de son travail toute l'année de façon assidue à Junie Exius. Voilà les filles, bonne fin de soirée. Thank you.
Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir m'adresser à vous. Cette année, mon coup de cœur va être un peu particulier parce qu'il va s'adresser, je vous dirais, exclusivement aux élèves qui ont des besoins particuliers parce que elles ont passé à travers une année assez spectaculaire, merci, si on se concentrait un peu sur le rapport orthopédagogique qu'elles reçoivent ou le rapport neuropsychologique, on leur dit tout d'abord qu'on doit les mettre dans une place préférentielle dans la classe. Ça veut dire qu'on doit les exposer au moins de stimuli possibles. Et là, l'école à distance, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait comme elle, mais il y a 30 personnes devant elles cette fois-ci. Donc, elles sont surstimulées avec 30 personnes devant elles. Et elles réussissent à passer à travers ça cours après cours. Un chapeau, les filles. On essaie de vous dire aussi de poser plein de questions. De ne pas être gêné dans la classe. Hein? On a découvert des petits trucs avec les profs. On a eu des petits clins d'œil, des petits mouvements. Le prof va circuler dans la classe après à vous connaître. Mais cette année, vous aviez une question, il fallait le mettre dans le chat. Il fallait que tout le monde le voie, cette question-là. Puis le prof, elle n'était pas capable d'aller vous chercher, mais vous l'avez fait pareil. Vous êtes passé par-dessus ça, puis vous avez posé vos questions. Fait que pour ça, je vous lève mon chapeau. Troisième chose, on vous demandait d'être motivé. Ouais. Motivé. Fallait aller la chercher, hein? Il y a eu une notion de motivation intrinsèque là, qui venait de notre propre corps. Bien, vous êtes allé la chercher, les filles, puis vous avez passé au travers toute cette année-là de manière exemplaire. Oh, il y a eu des hauts et des bas, ça, je vous le dis. Je vous ai accompagné, je vous ai vu aller, mais mon Dieu, vous êtes hot. J'espère que vous allez vous souvenir positivement de cette année-là, parce qu'encore une fois, vous avez été au-delà des attentes, vous avez été au-delà des pronostics, parce que vous réussissez à l'école privée, vous réussissez à l'école régulière, et ce, malgré des diagnostics qui disent que votre cerveau fonctionne de manière différente, et nous, on est tous habitués de fonctionner d'une certaine manière, et vous, vous êtes à l'extérieur de ça. Et à travers ça, je veux aussi lever mon chapeau au prof, parce que, hein, grosse année, vous autres aussi. Puis grosse année pour avoir chapeauté, avoir supporté toutes ces belles jeunes dames ayant des besoins particuliers. Donc, je vous lève mon chapeau, école exemplaire, fille exemplaire, et j'espère te revoir dans tous les locaux de l'école l'année prochaine et j'espère voir ton sourire tous les jours. Alors, je te souhaite un super été et encore une fois, je lève mon chapeau. Je donne le plus gros coup de cœur de la Terre aux élèves ayant des besoins particuliers. Don't
Avant de continuer avec cette prochaine catégorie, je tiens à féliciter tous les élèves vraiment qui ont été nommés, qui ont gagné dans les différentes matières. C'est un travail vraiment depuis des mois. Alors, je vous félicite. Nous sommes rendus maintenant à la catégorie. En fait, c'est un prix très spécial pour l'école, l'école baccalauréat international. Donc, nous donnons le prix Personnalité IB, qui est, on le donne en fait à une élève par groupe. Après consultation de tous les membres du personnel, les enseignants, à l'élève qui tout au long de cette année a développé les qualités du profil de l'apprenant ainsi que les valeurs du projet éducatif. Alors voilà, pour le groupe 301, je tiens à féliciter l'élève Karen Delpoul Benabdesalam. Alors Karen, félicitations. Pour le groupe 302, je félicite l'élève Peggy Gentilus. Et finalement, le groupe 303 à Laura Revilla Melisalde. Les élèves, je vous félicite et je suis très fière de vous. Et en quatrième secondaire, pour le groupe 401, Ramli Beauvoir, félicitations Ramli. Le groupe 402, Raphaël d'Ambreville, félicitations Raphaël. Et finalement, le groupe 403, Isabella Tomasi, félicitations Isabella. Je suis vraiment très fière de vous. Bravo les filles. Alors, un grand moment dans la soirée, c'est la nomination des filles qui ont eu les meilleures moyennes générales dans une année où c'était pas ordinaire de pouvoir performer. Alors, pour le groupe 301, Alice Loubert-Tessier, Karen Derfoul et Lara Mariano. Félicitations, les filles. Pour le groupe 302, Peggy Gentilus, Joël Baclini, Jasmine Manimtim Perrotta. Félicitations. Pour le groupe 303, Yousra Yafour, Laura Revilla Merizat, Marnel Amboise. Félicitations. Un grand coup de chapeau à toutes ces élèves de 3e secondaire. Pour le groupe 401, Ramli Beauvoir, Laetitia Méziane, Lia Desiderato. Félicitations, je suis fière de vous. Pour le groupe 402, Sofia Revilla Merizalt, Giada Pallotta, Gaëlle Baclini. Félicitations, c'était pas facile, bravo. Pour le groupe 403, Maude Bouvier, Isabella Tomasi, Netania Medji Teus. Félicitations les filles, c'était une année pleine de défis. Nous sommes maintenant rendus au moment de dévoiler les élèves récipiendaires de la médaille de l'excellence académique. Cette médaille veut souligner les élèves qui se méritent une reconnaissance pour leur meilleure moyenne générale, toutes matières confondues. Alors, pour la troisième secondaire, l'élève gagnante est Alice Loubert-Tessier. Pour la quatrième secondaire, l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne générale est Maude Bouvier. Alors, félicitations aux deux. Alors voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette deuxième édition du gala de la soirée de reconnaissance à distance. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les élèves pour vos efforts, pour votre résilience en cette année particulière. Secondaire 3 et 4, vous avez été en alternance vraiment une bonne partie de l'année. Vous avez toute mon admiration, toute ma, même la gratitude de votre collaboration pour cette année. Bravo, félicitations. N'oubliez jamais que ce que vous avez vécu, c'est dans votre bagage d'expérience pour, dans le futur, affronter d'autres défis qui se présenteront sur votre chemin. Donc, bravo pour vos efforts et votre dévouement et votre intérêt aux études et à tout ce que vous faites. Ensuite, un grand merci aux parents qui nous ont soutenus, encouragés durant toute cette année, encouragés vos filles et de la confiance que vous avez envers l'école Mère Clarac. J'espère que vous êtes fiers de vos filles, de votre fille ce soir. En tout cas, nous le sommes. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée
Et on se revoit bientôt, l'année prochaine, en présence, on espère. Alors, bonne soirée.